On est en Corse. On est dans un petit village qui s'appelle Algajola, que les Corses appellent Algayol. Les Corses, ils prononcent pas la dernière lettre. Algayol, Calenzane. Un petit village proche de Calvi, donc dans le nord de la Corse, où nous eûmes l'habitude d'aller de très nombreuses fois quand nous étions petits. Et nous voilà, nous y voilà en famille. Lui là, ouais. Il fait trop Batman. Ça me manque, il est trop bien comme ça. Ouais. Je préfère celui-là là. Blanc et noir. Ouais, très beau. Oh, ces chaussures de pépette là. Je pense qu'il est calé ou il va lancer des. À la Corse quoi. Merde, j'ai pas tout le fil de barbarie, tu crois. Qu'est-ce qu'il y a? Il sue comme une pute. Oh bah. Bah c'est lui qui dit ça. Dans une église, faut finir là. Mais non mais. Je comprends pas, dépêche-toi, mais laissez ouvert, c'est bien aussi. Tu dis appuie, il y a des boutons partout. Ça, c'est du fiadone, c'est une pâtisserie typique de Corse avec du broche. C'est du fromage. Comment tu le dis? Non, de la broche, c'est ça? De la broche? Oui, de la brousse en français, du brocho en espagnol, quoi. En espagnol? En Corse? Qu'est-ce que. Mais la brousse, c'est le broche. Non, je crois pas, je crois que c'est deux fromages différents. Ah bon? Ouais, je crois. Non, mais ça, c'est au broche. Je viens, regarder je viens de regarder la recette. Donc, c'est du fromage de brebis non, et c'est citronné. Broccio, mais le broccio, c'est clair. Et le reste du temps, c'est de la brousse. Bah, je pense que ça doit être un temps de bâtiment. Ah, mais c'est pareil. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est du sucré ou du salé. Ça me là, c'est vraiment sucré. Pour le coup. Mais il y a des petites notes salées, comme t'as pas remarqué? Ouais. Bah, du coup. Du coup. Ça, c'est la grand-mère de mon copain Pascal qui les fait. On dirait des petites Corses. Trempées dans le café, c'est trop délicieux. Là, présentement, on va à la piscine naturelle. Ce qu'on appelle la piscine naturelle, c'est en fait un amas de rochers avec un bassin. Et en fait, on y allait tout le temps quand on était petits. C'était vraiment notre spot préféré. C'était la piscine naturelle. Et avant de retrouver mes parents, là, j'étais déjà en Corse depuis quelques jours chez un pote qui habite juste à côté. J'ai fait 4 jours avec mes copains et ensuite mes parents sont arrivés, mon frère. Et maintenant, on finit les vacances ensemble, en famille. C'est un chemin un peu sinueux pour y arriver. Mais par contre, il y a des chardons. Ah oh. Bah, me l'envoie pas sur la guibole. Mais je t'ai rien envoyé du tout, t'es zinzin. Ici, ça sent une odeur que tu peux retrouver nulle part ailleurs. Ça sent le maquis. C'est un truc de ouf. Quand je suis arrivée à l'aéroport, j'ai direct senti le maquis. Ça m'a fait une madeleine de Proust d'il y a 10 piges. C'est sec. C'est très sec. Alors là, si tu fais tomber un mégot, on pâte. Hop, et là, il y a des figues, regarde. On arrive très vite à ce fameux petit spot. Et la piscine naturelle, c'est le truc là-bas. Hier, on a regardé sur internet toutes les expressions pour dire avoir envie de faire caca. Oh, il y en a des tartinés, hein. Il y en a 71. Et dedans, il y a avoir le bobsleigh au dernier virage. Aller déposer les enfants à la piscine. Et il y avait quoi de hyper marrant? Faire parler le joufflu. Ça, c'est le village de Pigne. Non, ça se dit vraiment sans le pigne. Pigne. C'est un soupir le A. Oh. Est-ce qu'il y a la piscine? Mon Iziba. Mon Iziba. Mais vous savez qu'ils sont la piscine? Allemand. Il a fait de l'allemand. Ben on est splendide ici aussi, la lumière. Oh la honte, putain! Il arrête pas de dire qu'on est trop beau! Regarde! Non, mais on est au paradis! On est en train de se demander si on n'est pas mort et qu'on n'est pas au paradis! Mais vous avez vu cette vue? Bah là, il la voit pas là! Bah non, mais j'ai filmé et je vais faire au montage! C'est magnifique! 150 à 180 sièges, j'en ai fait. Ouais, ça a augmenté. On est en train de parler des résultats des législatives car nous sommes dimanche. On est combien? 19 juin. 19 juin. Alors la zone, ça dit quoi? C'est l'été, tous les jours c'est samedi soir. Tu préfères Bernard Arnault? Ouf. Oulala. Ou Jeff Bezos?
Bah, le bouquin, c'est clairement ça me shit. Bah oui, mais tu dois choisir. Mais choisir pour faire quoi avec eux? Pour te marier avec eux. Me marier? Et tu préfères Elon Musk? Je ne serais que moi qu'il n'arrive pas à Elon Musk. Non, il a appelé son fils AEX1312B4. Hein. Non, c'est vrai? Oui. Mais son fils, il a une, c'est une formule de maths, son prénom, t'as pas vu? Il l'a appelé AEX, enfin ça c'est une fonction genre. AEIOUY? Mais où est donc Ornica? Deux rochers? Non, j'ai pris deux rochers, c'est un truc tard. On va à la rivière. Je sens que maman, ça va être une épreuve pour descendre encore. Ça va me... Oui, ça va, c'est simple, mais bon. Tiens, j'ai les pires chaussures pour ça, elles sont compensées. Faut descendre là, faut descendre là. Mais là, surtout, il y a un escalier. Non, hein non, mais Justine, n'importe quoi, baisse pas en bas. Là. Ah ouais. Je crois que je vais le faire pieds nus, moi. On met les petites méduses pour aller nager dans les rochers. Tellement dommage que ma caméra elle aille pas sous l'eau, je vous aurais filmé tout notre petit périple dans la cascade. Des crébins du pays de Dain. Depuis tout à l'heure, il répète que ça. Que des phrases du Seigneur des Anneaux, il a cru qu'il était dans la cascade de Gollum, clairement. Non, je suis Legolas. Toi, t'es Legolas, toi? Ah, bah, je suis Orlando. Au moins Orlando. Ah, t'es pas Aragorn? Non, et toi, t'es Eowyn. Moi, je suis Arwen. Je ne suis pas un homme. Bah, non, Eowyn, c'est la figure féministe. Oui, c'est vrai, mais il y en a qu'une en même temps. Hein. Bah, non, il y a Arwen aussi. Bah, Arwen, c'est un peu. En mode chaudasse. C'est ça. Chaudasse. Bah les elfes elles sont chaudasses un peu, tu trouves pas? Mais pas du tout, les elfes elles font pas l'amour. Très peu. Elles vivent toute la vie mais elles pas ouais, pour l'éternité mais elles font pas l'amour. Elles font très peu l'amour les gars. Ah d'accord, bon bah je suis pas une elfe alors. Bon poisson. Bon poisson. C'est délicieux. Non, pas du tout. Oh bien goûter. Moi je fais un mignon. R&B Gollum. Du bon poisson, pas bien goûter. Yeah, yeah, yeah. Bonsoir Paris. C'est Bilal. Oui. Des crébins du pays de Dain. Pour dire. Des corbeaux. Mais... Oui. T'as mais vraiment une famille de flippettes, c'est pas possible. Oula. On peut s'en aller. On peut s'en aller. T'as vu la petite jupe reptile que j'ai achetée? Reptile. Il y a vraiment un mec qui vient de flasher sur Nicole et qui a voulu lui serrer la main, mais il était tellement bourré. Ouais, il m'a dit bonsoir, il m'a tendu la main. Comme je suis un peu sauvage, je ne vais pas serrer la main, donc il a fait pardon. Après, il m'a dit vous avez l'air de connaître beaucoup sur l'écologie, je lui ai dit non, et il est parti. Mais est-ce qu'il a dit ça parce que t'as une chemise verte? C'est pour ça que t'as l'air de connaître beaucoup sur l'écologie. Drôle de façon d'accoster les gens, quand même. Merci. La tienne, pardon. Santé. Merci. Non, j'ai pas payé encore. Il est présentement sur le cul parce qu'on était en train de regarder sur internet quelle était la vidéo la plus vue de YouTube. Depuis Gangnam Style, on savait que c'était Despacito et depuis il y a Baby Shark. Moi je connaissais Baby Shark, vous connaissez tous, on est d'accord. 10 milliards de vues. Et lui il connaissait pas. Ça j'arrive 10 milliards de vues. Baby Shark. Tu connais toi Despacito, papa? Despacito. La chanson. Despacito, Despacito... Non. C'est une marque de pâte. Tu connais? Ah ouais, d'accord. Tu connais ou pas? Moi, oui, je connais. T'adores? Non. Non! C'est morbé en plus! S'il te plaît. Mais non, pourquoi? Mais j'ai déjà un sac lourd là! Mais papa, fais pas genre tu nous traces comme ça là! C'est bon? Nous sommes dans la forêt de Bonifatu, dans le nord de Fatu. Bonifatu? En vrai, surtout, nous sommes dans la forêt de Bonifatu.
de body fat. On est absolument persuadé qu'on va trouver une rivière là. Mon papa il m'a dit qu'il y avait une rivière. Et... Il a dit. Regarde, c'est un sentier balisé, papa, on descend de Gervin, moi j'ai crevé ici. On n'est pas sur Gervin, c'est déjà mort, on est donné. Non, mais... oh bah d'accord, super. Cette petite balade ombragée là, c'est très agréable. Catch. Oula, et bah ça ravigote, hein, je vous le dis. Non, peut-être 9, 10, 11. Ah ouais, quand même. Non, peut-être plus en vrai. Non, moi j'aurais dit 15 degrés. Ouais, 15 mais degrés. Non. Dare l'eau elle a combien là? Au moins 12. Après il fait très chaud dehors, mais du coup le choc thermique est... Ah, c'est surprenant. Mais très bon pour la circulation du sang. Ainsi que la cellulite, mesdames. Coucou. Petit chien. Là elle est en train d'essayer de chasser le petit lézard là. Des vacances, c'est quand même de bouffer des glaces à tout bout de champ, non? On est vraiment deux grands fans de Gérald de Palmas. On est deux grands fans de Gérald de Palmas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Gérald de Palmas, sous-côté. On l'écoute on the road. J'étais sur la route toute la sainte journée. Mets ton doigt dessus et tu peux lire la story. Dans ma maison sous terre. Risotto de sèche poêlé en persillade et flambé de graines de sorgho et de ah. Je sens le vieux chien que j'ai caressé là. Tu vas te laver. Ah. C'est mon dernier soir, je me barre demain, donc il est... Pas content. Maman, tu regardes la télé? Tu vas regarder quoi? Non, voilà. Mais non, putain. Direct, faites entrer l'accusé, mais... Maman, sur ma vie. On peut changer de passion lugubre, mais s'il vous plaît. Grave. Non, regarde pas, faites entrer l'accusé, maman, regarde un truc joyeux. La meilleure chose qu'on ait appris cette semaine, c'est faire parler le joufflu. Pour dire, allez faire caca. Bon, c'est la fin de ce vlog. Abonnez-vous à ma chaîne. Au revoir. Et abonnez-vous. Et activez la cloche.